Royer en shotgun. La remise. Une passe profonde au centre du terrain. La receveuse qui est seule réussit l'attraper. Quel beau catch de la numéro 3, Emma. On est en formation shotgun. La remise. Lecture rapide. Du bout des doigts. Belle attrapée. Donc, on a bien vu. Nicolas Morancy maintenant est allé avec une défaite. Lecture, prise de décision. Dans le coin de la zone de but. Ça a été incomplet, malheureusement. Ça a été maîtrisé en dehors de la zone de but. Donc, ce n'est pas un attrapé. En haut, deux en bas. On est en position shotgun. La remise. Tout juste pour le premier essai. Donc, petite stratégie en boucle ici pour atteindre le premier essai. Arrière, mais avec le vent dans le dos. La remise. La lecture se passe. Petite passe complétée. Des flags efficaces de la numéro 4 pour limiter les... On a un déplacement. Tout le monde se groupe au centre. La remise, lecture, la passe qui est deflect à la ligne de mêlée, donc c'est un... La remise, petite passe rapide, malheureusement c'est pas maîtrisé, on en perd les bouts. On est sous le centre, passe rapide à la numéro 5 en haut qui se défile, le deflag malgré que la joueuse s'est étirée. On a... La remise, lancé, non maîtrisé le long des lignes de côté. C'est dans cette direction que ça vente, départ lancé, la remise, réussi à être maîtrisé par la corps arrière qui se dérobe, malheureusement ou heureusement pour la défensive, laisse au bas de l'écran. On est en formation shotgun, la remise, la lecture, petite passe rapide, malheureusement non maîtrisé par la numéro 16. La lecture se passe au milieu de terrain. Du beau jeu défensif de la numéro 25 qui est venu séparer la shotgun. On la remise. Lancé au centre du terrain. Petit tracé en angle. On réussit à aller chercher un gain après. Snap. La remise. Pour la course. La course au haut de l'écran, mais un deflag efficace de la numéro 3. Très belle. On a une remise. On a une joueuse qui est derrière la corps arrière. La passe dans les zones profondes. Un attrapé. Contesté, malheureusement, ça ne peut plus être réalisé. Position de départ lancée, donc on va essayer de prendre la vitesse. La remise. Zone moyenne. Donc, c'est un toucher avec les bras à la toute fin. On étire les bras. Donc, passe complétée plus courte, mais le gain après l'attraper a été... La remise. On réussit à compléter l'attrapé. Un jeu à développement long. La remise. La passe dans le fond. C'est capté, mais à l'extérieur du terrain, malheureusement, sur la ligne de mêlée ou presque. Donc, on veut leur concéder le moins d'espace possible. La remise. Petite passe. Rabattue par la numéro 12 en défensive. Sur la ligne de mêlée. La remise. Passe rapide dans les flancs. Un gain appréciable, mais c'est de se donner une grande 3 receveurs en mouvement. On a la remise. On lance de l'autre côté, donc on isole. Justement, parlant d'elle. Tracé Simon. La remise. Une passe, petit tracé en crochet. Le deflag est difficile en plongeant la numéro 18. On va voir ce que le Collège Montmorency peut faire ici. Trois oiseaux de l'écran. On a la remise. Petit tracé rapide, bien attrapé. Passe basse qui a réussi à être maintenant pour elle. Une joueuse en départ lancé, donc on a la remise. Petit tracé court à la centre. La joueuse qui sort d'un départ lancé. Donc des petits tracés plutôt courts. On essaie de se démarquer. Belle attrapée de la numéro 3 qui réussit à compléter l'attrapée avec. On peut voir ici ce qui se passe. La receveur qui se dérobe de champ arrière se débarrasse du ballon pour ne pas créer le sac des receveurs sur leur ligne de but. Donc, ils veulent concéder l'attraper, mais pas le toucher. Position profonde, passe profonde, pardon. Non maîtrisée dans le fond de la zone des buts. Il y avait plusieurs receveurs. On a la remise. Petite lecture, une petite passe facile à compléter là au bas de l'écran. Pas si simple sur la ligne de mêlée. Deux joueurs près du centre. On a la remise. Plus profond, on essaie d'attraper. Mais quel beau jeu défensif. Moins que leur ligne de 5 habituelle. Donc voyons voir comment elles vont répondre à ce beau jeu défensif.
Passe profonde, on essaie d'attaquer loin. C'est réussi. Donc, Montmorency qui décide. Une postée au haut de l'écran. On part. La corde arrière qui se défait. Et on réussit à l'attraper. Un drapeau. Non, inconscient. On a la remise. C'est long. La joueuse qui réussit à compléter l'attraper. Donc, les premiers points sont marqués pour. Très important. Position stack, tout le monde est en départ lancé. Tracé court, n'est pas maîtrisé par la numéro 7. Départ lancé des trois receveurs. Des tracés profonds. Intercepté! Encore par la numéro 22. Qui... Remontée du Collège Montmorency, tout comme hier. Ici, on a le déploiement. La QB qui se défait, se débarrasse du ballon. Position shotgun toujours au niveau de Montmorency. La remise dans le fond de la zone de but. La joueuse défensive est passée devant le côté du centre au haut de l'écran. Couverture serrée sur elle. On a le déploiement. La QB s'en démêle. Le petit tracé au coin par la numéro 6. Il donnerait les devants présentement à Montmorency. Les filles sont déployées. La passe rabattue. Donc, un beau stuff défensif sur la ligne de mêlée. On part. Petit tracé en crochet. La joueuse qui est avec un petit son stack. On va sous le centre pour la remise. Petite passe rapide. Donc, on réussit à obtenir le premier essai, ce qui arrête le temps. Mais... Dans les dernières minutes qui restent. Formation déployée. Petite passe courte. Tout semble sourire pour Montmorency à l'heure actuelle. Les passes. 1 minute 15. La remise. Les tracés croisés, la bien maîtrisée. On a vu la numéro 7 qui a fait le piquet pour essayer de donner de l'espace. Elles sont délicates ici. Le troisième et 25 verges presque à franchir. Les joueurs de l'Université de Montréal qui attendent les filles sur la zone de but. Veulent pas accorder le toucher. Donc c'est réussi pour eux. Mission accomplie. Université de Montréal. C'est. Université de Montréal reprend le ballon ici. Tout le monde sur la ligne de mêlée. Beau jeu défensif de la numéro 9 qui vient séparer le ballon de la receveuse. Receveuse qui n'a jamais même eu la... Au Collège Montmorency. Montmorency, 27 secondes à faire. Formation groupée au centre. On lance le ballon. C'est à l'extérieur du terrain, malheureusement. Un bel formation shotgun. La remise est faite. La pression s'amène. On vise les lignes de côté loin encore. On vise encore la numéro 7. La passe est à l'extérieur. MSC, 20 verges à faire. Passe avec des traces en crochet. On essayait de se fier aux verges après l'attraper. Une pénalité qui est appelée sur le jeu. Donc, voyons voir ce qui est appelé. Départ lancé. Donc, on prend de la vitesse. La corde arrière sous pression. Se défait de la pression. Le sac du corps. Mais il y a un flag. Donc, on s'y prend. Départ lancé toujours. Donc, même stratégie, mais de l'autre côté. La corde arrière est sous pression. Lance. Oh! Ce n'est pas complété malheureusement, donc fin avec deux receveurs au haut de l'écran fixe sur la ligne. La remise est faite, on vise dans la zone début, loin dans la zone début. La passe était trop courte, donc la receveuse, on a fait la passe, on essaie de regarder dans les zones plus profondes. On vise la zone début, c'est incomplet, donc c'est la chance de Momo centre en motion. La remise, la passe complétée plus court. Très très loin dans leur zone, vont probablement laisser l'attraper, être complété, puis ensuite aller faire le déflag. Se rallier pour le déflag. Donc la position de la joueuse de rush qui est seule en bas de l'écran. Donc la remise. On a une passe complétée au centre du terrain. On réussit le déflag, exactement ce qu'on voulait. Du coup, l'autre équipe peut répliquer et gagner le match. La remise. La passe, c'est capté, les pieds à l'intérieur, donc le converti réussi, c'est 13 à 12. Quel attrapé, qui d'autre que Anne-Frédérique Tardif pour mettre de la grosse pression sur l'Université de Montréal pour être capable d'aller compléter leur prochaine tentative. Gros jeu ici. Sifflé, on a 25 secondes. Ici, on surveille Mathilde Renaud, Emma Racine. Oh, c'est on manqué. On y est allé pour... Julien Fortin. Et c'est la victoire du Collège Montmorency pour la médaille d'or dans ses championnats nationaux de flag football.
c'était un match enlevant du début à la fin. Incroyable! Une équipe issue d'un cégep...